Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, figurez-vous. Je suis sur Coolabac puisque je suis tout seul, bien sûr, je n'ai plus aucun ami. Alors je suis navré. Attendez, je vais bouger tout de suite d'ailleurs ma souris pour vérifier. Ouais, ça capture. J'ai deux épisodes entiers, en plus un peu plus longs que d'habitude, que de normal, qui sont partis à la poubelle puisque ça avait décidé de ne pas enregistrer. De ne pas enregistrer le jeu. Donc, gros fun. Désolé. Du coup, effectivement, on a un peu plus que des bureaux et des forêts. Et puis bon, là, j'ai laissé tourner le jeu toute la nuit, donc on a 300 000 balles. Ça va, nous vivons bien. Donc on a un petit peu avancé. J'ai rempli, effectivement, on a récupéré un avocat. On a commencé à récupérer du monde. On n'est pas trop mal. Ça, c'est quoi, limitation de responsabilité en cas d'exécution? Votre avocat réduit l'importance nécessaire des condamnations pour que les procédures d'exécution puissent commencer. 10 minutes de fait, le nombre d'appels dont peut bénéficier un prisonnier avant que vous puissiez programmer son exécution sans risquer de poursuite. Oh, c'est pas urgent, urgent. En vrai, c'est pas urgent et ça coûte cher. Je pense que je vais en profiter pour débloquer les aides-soignants, les tasers, les gilets tactiques et puis le taser pour tous. Ah, si on a un peu de sous, on va faire ça. On va faire ça. Donc ça, c'est le bloc cellule de base. Donc voilà, on avait pris pour quête de faire les... Bah, de toute façon, je vais vous montrer hein, les subventions qui ont été acceptées et validées. Non, ça c'est verrouillé. On voit ce que j'ai terminé. Ouais, donc voilà. On est parti sur du centre de détention, du bloc de cellule A qu'on a fait dans la lancée, puisque, bon, vu la taille, vous vous doutez bien qu'autant tout prendre. L'entretien de la prison, l'investissement, je crois qu'on en avait lancé un quand vous étiez là. Et le centre administratif aussi qu'on avait validé, je crois, épisode 1. Donc voilà. Je ne vais rien valider directement. Alors ça doit être derrière des murs et des machins. Oui, donc oui, parce qu'en fait, moi j'ai juste tiré des plans et j'étais en train de me dire mon couloir de la mort, où est-ce que je me le colle? Parce que je me le collais quelque part. Hein. Incroyable. Et je ne sais pas où. En sachant que j'ai encore rien eu besoin d'alimenter avec toi. Putain, mais y a rien d'alimenter avec toi? 2 secondes. Alors 2 secondes, hein, je réfléchis, j'utilise mes neurones. Ah si, bah, il y a tout le bloc de cellules là qui est alimenté. On a du jus. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, on a du jus. Bon écoutez. Quelques portes sont placées. Je propose de mettre quelques détecteurs de métaux. Les détecteurs de métaux, c'est bien. Voilà. Je pense que... Ce qu'on dit pas assez bien des détecteurs de métaux. Voilà. Allez, des caisses. Non, mais on en rajoute des caisses, on aime bien. On aime bien, on en rajoute des caisses. C'est top. C'est top. Et je pense qu'effectivement, je vais valider mes constructions. Alors, de quoi parle-t-on quand je dis valider mes constructions? Parce que ça a l'air d'être un gros bazar en fait. C'est vrai que j'ai surtout posé des lits et des trucs comme ça. Donc c'est de mettre pour 66 prisonniers une cantine de cette taille-là. Ouais, je pense que je garde ça comme ça en vrai. En vrai, c'est pas mal. Je pense que je rentre ce qu'il faut. Je pense que je mets mes 4 tables de service. Je peux mettre quelques tables. Par contre, je peux pas mettre beaucoup de tables, je trouve. À voir. Et bien justement, vous savez quoi? On va tester ça. On va faire comme pour les autres bâtiments où j'ai défini leur taille. Comme vous pouvez voir, j'ai défini leur taille en fonction du mobilier qui était dedans. Et bien je vais faire pareil. Je trouve qu'en réalité, c'est plutôt une bonne technique. Ça vous oblige à pas chercher le matériel. Et après acheter le... Le matos. Mais ça tombe bien, j'en ai en rab de toute façon. Donc formidable. Donc moi, ce qui va m'intéresser là, c'est une petite table de service. Est-ce qu'on peut en rentrer deux? Ah ouais, nice, excellent, on peut en rentrer deux. Ok, donc on va se glisser les 4 tables de service, les fameuses, et on va voir ce qu'on peut se glisser, voilà, en termes de banc. Tac, tac, tac,
Tac, tac, tac. Ah non, mais elle est parfaite cette cantine. Ma voix s'est barrée pendant un instant, excusez-moi. Certains disent que c'est la drogue. D'autres disent que c'est la drogue. Moi, je dis qu'ils ont raison. D'accord. Eh bien, elle est bien assez grande cette cantine en fait. Donc, attends, d'abord, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4 cases. Ça fait pas mal. En vrai, ça fait pas beaucoup. Mais ça fait pas mal. C'est pas mal. On est content. On est plutôt content. On arrive à rentrer des choses. C'est cool. À voir si. Attends, à voir si je les mets comme ça, justement. Toute la question est là. C'est est-ce que oui ou non je les mets comme ça? Parce que l'autre chose possible et probable, c'est de partir, genre, voilà, des petits bancs, des petites tables, petits trucs un peu kawaii dans le coin, là. Mais on peut rajouter du prisonnier. Et oui, par contre, du coup, si je fais ça fait que mes tables de service. Parce que là, elles font du 5, hein, c'est ça. Attends, je prends la taille d'un banc. Oui, de toute façon, j'ai pas besoin, je vois un banc là. Oui, ils font du 5. C'est ça, donc ça vient se toucher là. Ok. Donc, hop, enlève-moi ça. Je prends mes petits bancs. Dans ces cas-là, ils seront comme ça. Ouais, c'est uniquement l'or. Hein. Clairement, c'est juste pour le lore. C'est replacé uniquement pour le lore. Et voilà. Sauf que oui, c'est l'or, mais ça rentre pas si c'est l'or. Super. Espèce de bâtard. Ah, c'est bon. Il a posé le banc juste à côté, j'ai fait. Attends, t'es sérieux, t'es venu poser le banc qui m'emmerde? Yes, non, c'est bon. Ça passe. Ok. Donc voilà la cantine. Voilà la cantine pour les basses sécurités. Hein. Visiblement, on va partir sur ce modèle-là. J'en fais rentrer un paquet, ce qui est cool. Ça c'est cool. Ça c'est pas mal. J'ai glissé une petite tour là dans l'enceinte. Hein. Petite tour là pour tirer sur les gens. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en glisser une par là aussi. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Excusez-moi. Je viens de voir la lumière. Je vais d'abord démonter ce qu'il y a dessus. Parce que dans le doute, hein, si jamais. Hein. Je suis capable de me balancer tous mes barbelés à la poubelle. Ouais, les barbelés ça coûte cher. Voilà. Si quelqu'un peut me démolir. Eh, vous pouvez pas. Eh, vous passez devant là, s'il vous plaît, quoi. Ah, merci les gars. Vous passez devant les mecs. Merci. Quand même, quoi. C'est un petit effort. Essayez de vous intéresser un peu au projet, quand même. Un petit peu, moi. Au moins un tout petit peu. Ah oui, par contre, du coup, là aussi, il faut que je démonte. Parce que, du coup... démonte ça. Yes. Excellent. Maintenant, on peut build le wall. Voilà. Si vous pouvez faire tout ça en hurlant, s'il vous plaît. Très bien aimable. Je vous aiderai peut-être à vendre du bois. Peut-être. Pas sûr. Par contre, l'entretien, c'est tellement pas ça. Ah oui, non, les jardiniers, ils sont pas assez nombreux, j'ai l'impression, pour entretenir les pièces. Mais j'ai l'impression surtout qu'ils veulent pas entretenir les pièces. Surtout que de toute façon, ils ont décidé que ça serait non. Donc bon. Nous verrons bien. Prenons du barbelé, puisque nous en avons. Et remettons du barbelé. Excellent. Magnifique. Très joli. Tu te blindes le barbelé, décidément. C'est terrible.
Donc voilà, je pense que ça va prendre cette forme-là. On est pas mal, la cuisine, j'ai vérifié, c'est assez grand pour pouvoir y faire entrer un évier, hein, c'est tout ce qui compte. C'est la taille de l'évier. On parle d'un bâtiment ici. Vous avez vu, j'ai glissé quelques portes de cellules pour empêcher les accès à... Enfin, des portes de cellules, des portes de gardiens. Pour empêcher les accès ici et là. Ouais, non, ici une porte, du coup, c'est pas nécessaire. Une porte ici, ce n'est pas nécessaire. Je vais tout de suite penser à encadrer cette porte, cette tour de garde. Sinon, je sens que je me connais, je vais oublier. Voilà. Elle est encadrée. Les mecs, ça y est, ils ont une tradition de me laisser traîner du bois partout parce qu'ils veulent le mettre dans l'entrepôt, c'est ça? Exactement. Et que finalement, bah, ils ont pas le temps. Il reste beaucoup de choses à planter là ou tout est planté? Je voudrais juste voir si éventuellement il manque un jardinier, mais non, ça a l'air de se gérer. Hein. Ouais, franchement, il y a, ouais, il y a 3-4 pouces en cours. Ça va, c'est pas. C'est pas. D'ailleurs, si ça t'intéresse pour savoir pour cette bande-là. cette bande-là, est-ce que je peux savoir combien elle fait? Non, je peux pas. Hop. Bon, elle fait toute la largeur sur une grande map. Et en hauteur, elle fait du 8. On va prendre à partir de là, comme ça je suis sûr. Du 35. Elle fait du 35 et pour ça, il te faut un personnel qui va coller un personnel de merde. 8 jardiniers, 22 ouvriers. Enfin, 22 ouvriers, c'est pas nécessaire. On peut avoir moins d'ouvriers. Mais sinon, ça construit pas derrière. C'est une catastrophe. Ah, un petit jardinier qui a eu le temps de faire un petit nettoyage. Puisqu'on est plutôt large en thunes et que j'en ai marre de voir ma prison dans un état dégueu. Voilà. On va prendre deux jardiniers pour le style. Et ben moi je vous propose de commencer à fonder tout ça. À fonder tout ça. Qu'est-ce qu'on peut se prendre comme subvention? Petite subvention. Ah, bien-être et santé. Les droits des détenus, engager un psychologue. Nécessite un bureau. Eh bien faisons ça. Très bien. Construire une infirmerie. Eh bien très bien. Faisons cela. Partons sur du mur blanc carrelé, qu'on aime beaucoup. Très joli. Le mur blanc carrelé. Il y a un petit côté mur blanc carlin. Nous on aime beaucoup ici. Ah. Très embêtant. Et parce que tant que ce sera pas construit en fait. D'accord, très bien. Très intéressant. Porte, s'il vous plaît. Porte. Voilà. Parce que je vais peut-être rajouter un lit ici en fait. Me dis-je. Me dis-je que j'ai la place. Pourquoi point? Point. Le bureau du psy, j'avais prévu de le caler plus ou moins par ici. Je vais pas se mentir. Vous êtes de braves gens. Vous n'êtes pas occupés à être des connards. Ok. Donc je vais être bon pour refaire un mur, évidemment. Super. On est trop content. Une porte du personnel, évidemment. Les petites dalles de grès. Hein. Vous avez vu, c'est très joli hein, quand même. On est sur l'esthétisme de tous les instants. L'esthétisme de tous les instants. Très important. On aime beaucoup. Ah, pareil, on voulait planter des arbres, mais les arbres c'est trop gros, ça prend une place colossale. Bien que, hey, on est en plein hiver, pourquoi on se mettrait pas un petit palmier? Moi je dis petit palmier et un petit arbre sakura séparé par deux petits buissons. Voilà, deux petits buissons. Oh, attends, on va même recaler les trucs. On va mettre deux petits buissons, comme ça on en met deux ici aussi, c'est très joli. Voilà, voilà. On se met notre palmier juste là. Re deux petits buissons par là. Un, deux petits buissons. Un arbre sakura par ici. Et re deux petits buissons. Ouais, bon, franchement, je me moque pas de la tête des gens, moi. J'ai des beaux cadeaux.
Bon, alors que eux ici, ils ont juste un arbre effrayant dans leur cour. Mais c'est un style de vie. Il n'y avait pas une table là? Je crois qu'il y avait une table. Écoute, d'ailleurs une table extérieure. Ah, je l'ai peut-être virée parce qu'elle est très trop grande, qu'elle prenait trop de place. Seront ça, c'est pareil, ça prend, c'est aussi grand, ça prend autant de place. Voilà. Voilà. Mais bon, ça fait style. Ça fait style, voilà. Donc très joli, on a dit. C'est dégueulasse, la prison est dégueulasse, les jardiniers ne bossent jamais. C'est un scandale. Tac, into tech, into tech. Il y aura le gardien qui passe derrière, éventuellement. Que ce soit bien éclairé. Ok. Donc tout ça, c'est posé. Alors par contre, on a plus de carreaux qu'avant. Attention, maintenant, on peut se faire des petites ambiances. Moi je vous dis que ça, moi j'aurais bien vu un petit marbre du plus bel effet. Avec ton petit marbre aussi quand tu rentres, hein, très important. Le plus bel effet avant d'avoir effectivement sa céramique. Bien sûr, évidemment, nous respectons cela. Voilà. Et je serais bien parti sur moins chic pour l'hôpital. Moins chic, t'as le droit à moins bien, c'est moins bien. T'as pas le droit à avoir aussi classe. Quoi, pardon? Mais j'ai fait des conneries ou ça se passe comment? Non, mais si je veux filer moi à quelqu'un. Ouais, sur l'hôpital, on va partir plutôt sur la bordure en céramique. Et le carrelage blanc au centre. Voilà. Et je crois que c'est déjà le pattern des cuisines. Ouais. Des cantines. Ah. Dans ces cas-là, dans les cantines, on va faire l'inverse. On va carrelage blanc. Vas-y, hein, carrelage blanc en fait. Hein. Et on va céramique au milieu. Voilà, on change le pattern. C'est très bien. Alors c'est ridicule, mais c'est pour pouvoir reconnaître les salles au premier coup d'œil. Est-ce que c'est bien utile pour autant? Non, mais c'est l'or et c'est rigolo. Est-ce qu'on n'est pas là pour s'amuser finalement? Voilà. Très joli. Rajoute mes lumières manuellement. Je suis un type comme ça. Paf, paf, into, into paf, et paf. Et on a bien assez de loupiote. Bien assez de loupiote. Ok, bah on est pas mal, on est pas mal, hein, ça se profile, hein. Pourquoi pas? Et ça nécessite une entrée. Pourquoi pas? Alors, moi c'est là où j'étais un peu en discussion avec moi-même. Discussion des plus intéressantes, évidemment. J'aurais bien fermé là en fait. Ouais, je pense qu'on va fermer là. Et du coup, on se met une porte stricto reservito personnelito ou un truc comme ça, genre ici. Par contre, on autorise les tiers à venir travailler sur ce côté-là. Mais il faudra voir. Faut que je les autorise à les laisser rentrer. Sinon, je mets une simple porte ici. Et cela. Voilà. Quoi, moi j'ai encore des trucs à placer dedans. Alors, ne rêvez pas, hein. J'ai un chrono sous les yeux. Je vois qu'il va être 20 minutes. Hein. À tout
attention, hein, je veille au grain, mais l'épisode fera un peu plus de 20 minutes, ne inquiétez pas. Déjà parce que j'ai pas commencé à me servir mon café, et que si je me fais servir mon café, vous le savez, cet épisode sera beaucoup trop long. Oui, je suis en train de me servir mon café. J'arrive. Voilà. On a Elkawa, on est bien. Alors, ah oui, j'avais ce problème psychomoteur avec l'un. Voilà, c'est le problème de faire des prisons à 2h du matin. Le problème principal de cette prison à 2h du matin, c'est qu'en réalité, ma salle de conditionnel et de visite doit faire toute la longueur en fait. L'intérêt d'avoir une salle qui fait toute la longueur, c'est d'avoir des visiteurs qui ne sont jamais en contact avec des prisonniers. Et je viens de merder là-dessus. Donc je suis obligé de reprendre ma planification et on recommence. Alors, bon, du coup, j'ai envie de dire tout ça, on peut effacer. C'était bien. C'était bien, c'était bien. J'ai envie de dire, vous pouvez démonter tous les objets qui traînent là. Allez-y. Hein. Ouais, faites sauter ça, faites sauter ça, faites sauter tout ça. Voilà. On enlève tout ça. Ok. Alors, mais alors du coup je vais être encore plus restreint pour la place des je vais être restreint de fou quoi. Parce qu'il faut absolument que j'arrive à rentrer et une école et un atelier, une bibliothèque, enfin tout le bazar. Waouh. Ouais, il faut que je fasse petit. Il va falloir que je construise un truc qui est hyper petit. Alors ça c'est le pattern base. Ok. J'aime pas qu'il me perturbe l'intérieur en blanc, ça me fait mal aux yeux. Ce que j'ai besoin de voir. Ouais bah mets-moi tout. Ça y aura pas de problème. Ça y a pas de soucis. Ça rentre dans la partie dessus. Et ça y a pas de soucis. La cabine ça rentre dans la partie du bas, y a pas d'embrouille. Ok. Avec la partie visiteur dans ce sens là. Donc le bâtiment est déjà trop gros. Puisque là on peut caler deux blocs entre les deux. Donc un mur. Alors ouais c'est ça, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut que je compte. Il faut que je mette. Faut que ce soit assez grand, faut quand même que ce soit assez spacieux, que les gens se marchent pas dessus. J'ai besoin de mettre genre la place assise elle est là. Ça c'est un couloir. Ok, ça comme ça. Et si je pose la cabine, ouais, on a la place. On a un pattern. Ouais, c'est pas le meilleur des patterns, mais on a un pattern. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup, ça se demandait si on le décale pas un petit peu. Parce que, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est un couloir visiteur, non pas devant, mais derrière. Ouais. J'aurais dû d'ailleurs repousser mes hôpitaux vers le haut, en fait, et tout faire passer en bas. C'est pas grave, on va le faire ici maintenant. Comme ça, ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va décaler ça justement. Peut-être même genre ici. Ça fait combien ça? Combien tu fais toi? Tu fais du 10. Ok, c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste ne nous intéresse pas. Donc tu fais du 10. Voilà. Tu fais du 10. Et t'es censé partir tout en longueur. D'accord. Moi ce qui m'intéresse c'est de garder 3 cases en bas. 1, 2, 3.
Et on est sur du 10. Ou alors on est sur du 11. On a vraiment de la place, mais non, on restera sur du 10. On va pas aller chercher. On va pas aller spécifiquement gratter de la place. Voilà. Ça serait en gros. Il y a de la place. En gros, il y a de la place. Et du coup, ce serait la taille, quoi. 1, 2, 3. Tac, mur. Ça, ce serait les deux salles. Conditionnel et visite. Pour les basses sécurités. Ça laisse un peu de place dessus. C'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Moi, ça me va en vrai. En vrai, ça me va. Parce que quand on regarde ça comme ça, on se dit. Bon, déjà, je vais la lancer, hein, parce que je suis d'accord pour ça. On se dit que 1, moi j'ai la place pour. Mince, mais je me suis gouré, je suis un crétin ou 1, 2, 3. Oui, je suis un crétin. Annule tout. Annule tout. Il faut que je décale tout d'un bloc. Je fasse ça comme ça. Ça fait bien 10 de haut, bien sûr. Je sais même pas si ça fait 10 de haut, du coup j'ai pas vérifié. Ça fait 10 de haut. On a 3 cases de décal. On est très bien. Mets-moi une porte, on s'en fout. Je sais pas. Non, c'est pas là les portes. Ce n'est plus là maintenant les portes. Je vais m'y faire un jour. Je vous promets, un jour je vais m'y faire. Tac. Oui, je vais mettre genre une porte. Je suis un connard. Hein. Il y a quand même quelque chose d'épique dans le fait d'être vraiment stupide. Alors on va tout refaire en plane parce que décidément je suis trop con visiblement. Donc, il me faut un chemin d'un, deux, trois. Merci. Un chemin d'un, deux, trois. Merci. Voilà. Il me faut un mur qui fait du 10. Tac, tac. Tac. Voilà, merci. Maintenant, effacez-moi ça. Voilà, très bien. Et je ne sais même pas quelle longueur va faire le truc. Donc on va tirer un truc au pif et avant de le bétonner, on va peut-être commencer par poser les. Ça fait toujours du 10 ça. Non, je suis parti sur du 12, hein, évidemment. Ouais, évidemment. Tant qu'à être con. Autant en profiter quoi. Ah d'accord, ça efface soit les murs, soit le blanc de l'intérieur. Hein, faut choisir. Hein. Ça fait pas tout en même temps. Très bien. Après, est-ce qu'on est obligé de prendre l'intégralité pour les visites? Je pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Ok, bah c'est parti. On refait. Donc on est reparti. On redémonte tout. C'est la méga teuf. Vas-y, démonte-moi ça. Démontez-moi ça. Monte ce truc là. Excusez-moi. Oh, mais soyez, dis donc. Ouh. Et du coup, ça c'est de l'intérieur en fait, c'est ça, non? Non, c'est rien du tout en fait, c'est pas, ça n'existe pas. D'accord, mais c'est très joli. Non, pas du tout. C'est dégueulasse. Eh bien, construisons ce bâtiment nul. Allez, c'est parti. Et on va donc effectivement intégrer une porte visiteur venue d'ailleurs. Non, les portes c'est toujours là. Maintenant c'est là, faut s'y faire. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Hein. Une porte visiteur là. Et puis là, on va garder un maximum de place hein, tant que possible. Et une porte visiteur ici. Et là, en fait. Je vais virer celle qui est ici. Et maintenant, je ne peux plus la virer, sinon je vais annuler encore la construction. Et il y en a marre d'annuler des constructions.
courant non plus. Faut faire circuler le courant. Ah, on a commencé à avoir de jolis petits arbres qui poussent. Hein. Très joli, hein. Très très joli, évidemment, on apprécie beaucoup. Pièce, je voudrais une cantine, vous prie-je. Je sais, il n'y a pas encore de porte là-haut. Une cuisine, ici. C'est non. On va quand même mettre les portes, sinon je sens que je vais oublier. Hein. Moi, je me connais. Je me sens tout à fait capable d'oublier très rapidement, en fait. Je vais pas encore en fait mettre les murs tout de suite parce que ce qui m'intéresse c'est de voir comment je vais aménager l'intérieur de la cuisine. J'ai gardé un peu de place un peu partout. Hein. J'ai été large. En vrai, j'ai fait le mec un peu large. Du coup, je suis un peu large. Du coup, c'est rigolo. À la limite, je vais les séparer pour garder une porte au milieu. Ouais, à la limite, faisons ça. Du coup, ici on a quoi? On a une cuisinière, un frigo qui rentre. C'est du génie. C'est du génie. Simplement, c'est du génie. Moi, je pense que. Je pense qu'on ne mesure pas assez mon génie. Et je parle pas celui de la lampe. Et dans le doute, on va se claquer un évier aussi ici. Voilà, parce que bon, il va falloir quand même débiter un peu, je pense. Et en vrai, ici, je vais mettre pour l'instant, puisqu'on n'a pas besoin, une jolie petite poubelle. Parce que c'est très joli. Voilà. Et en fait, cette cuisine est très bien. Rien d'autre à ajouter. Elle est très bien. On aime beaucoup. Je sais qu'ils l'estiment beaucoup à la MV Production, hein. Ils ont vraiment dit non mais c'est ouf le travail qui est fait ici, c'est incroyable. Je crois qu'ils ont même rajouté du cul, mais je suis pas sûr. Tente qui pose tout, pour voir un peu comment je tire mes conneries. Mais j'ai de l'eau ici, pourquoi je vais tirer celle d'en haut? Je peux tirer celle du bas. On tirera celle d'en bas. Clairement ils ont encore oublié de poser deux trucs. Ça m'empêchera pas de poser ce câble là je pense. Pareil je pense qu'il va falloir tirer dans la cantine pour avoir un peu de lumière là-haut. Ouais, ici c'est un évier de toute façon. Il faut que je juste attendre qu'il le pose parce que je crois que je vais avoir ouais, la tige en plus. Tac tac, ouais, c'est ça. Allez. J'économise un câble. Ah, le mec fait des économies de bout de chandelle alors qu'il a 300 000 balles. Et bon, ça dégage vite 300 000 balles. Hein. Et bah, excellent. Excellent, excellent. Bah, franchement, c'est pas mal. Il va nous manquer quoi? Une chaudière dans l'histoire. On la posera en dernier la chaudière parce que. On la pose en dernier. Voilà tout simplement. Celle-ci par contre on peut peut-être la poser déjà. Je dirais bien que ça mange pas de pain. Pour l'instant on va poser ça comme ça. Ce sera très bien. Et oui, j'ai prévu aucun radiateur nulle part. Peut-être y songer. Dans les objets, les radiateurs. Parce que là, bon, j'avoue pour l'instant, le jeu est plutôt sympa. On a des températures plutôt cool, de type 9 degrés, etc. Mais j'ai vu qu'on dégringolait. On pouvait dégringoler quelque chose de sympatoche aussi. J'ai noté qu'on pouvait dégringoler. Copieusement. Vous pouvez copieusement dégringoler. Ah oui, bah alors du coup, cette poubelle est de trop. Bon, mettons ça ici. Admettons.
Et je pense que pareil, on va démonte-moi ça, on va coller un radiateur à la place. On va y caler un radiateur ici. Parce que les cuisines ne dégagent pas de chaleur, je me suis trouvé ça assez cocasse. Ou alors c'est parce que pour l'instant je suis pas de prisonnier donc ça chauffe pas, j'en sais rien. Moi je pensais que qu'elle faisait de la chaleur, mais visiblement je me suis gouru donc. J'ai envie de dire, nous verrons bien. Pour la cuisine, on a dit que c'était comment? C'était tout blanc? Tout blanc. Tout blanc la cuisine. Allez. Très joli. On aime beaucoup. Et peut-être des loupiottes, hein, parce que. Ou l'éclairage aussi, mais peut-être on va mettre des loupiottes aussi. Pareil ici, on va claquer quelques loupiottes. Voilà, on va se mettre les quatre du coin. Je pense que ça fera suffisamment ces deux lumières. Ou alors, j'en aligne ici. Alors, on va penser à mettre des paillassons, bien sûr. Mettez des paillassons. Alors je suis un peu déçu parce que du coup cette prison manque un peu de détecteur de métaux et j'avoue ça me rend un peu malade de manquer de détecteur de métaux comme ça. Alors j'ai même calé les douches dehors avec les. En fait pareil, je me suis aperçu pour les chaudières. J'ai fait alimenter ces chaudières là, c'est les premières que j'ai posées en fait avec un petit tuyau. Et j'ai l'impression que du coup ça chauffe beaucoup moins loin. Et moins chaud. Donc du coup j'ai posé des gros chaudières juste à côté du gros tuyau en extérieur hein, parce qu'on profite, on aime l'air libre. Et j'ai l'impression que ça pulse plus loin en effet. Voilà, petite chose à savoir comme ça. C'est pas de chaud ici. Allô? Quoi? Ah, le tuyau il va pas. Bah, si, il y va, mais c'est trop loin. Demain c'est loin. Oh là là. Trop fan d'IAM le truc. Dans ces cas-là. C'est lui qui alimente, hein, c'est ça. Et bien dans ces cas-là, on va pouvoir vérifier, justement. Tiens, faisons une vérification. Si on dit que toi, je t'envoie du lourd, est-ce que tu vas pulser du chaud plus loin? Non mais, s'il te plaît, les gars, on va peut-être pas attendre 25 jours, voilà. Faites-nous le truc, on veut voir. On veut savoir. La France veut savoir. Et ben voilà, on a notre réponse. En effet, ça pulse plus loin lorsque ton est raccordé par du gros tuyau. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, du coup, ici, il faut raccorder. Alors du coup, ce que moi j'ai envie de savoir, c'est est-ce que si je te raccorde à ce chauffage-là, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on n'est pas trop loin? Grande question. Vous le saurez dans le prochain épisode. Je le connais. Vous le saurez peut-être cet épisode-là.
faire remonter de la canalisation ici. En vrai, ouais, ça me dérange pas. On peut la remonter là, puis après on tournera. On tournera, je pense, comme ça. Hop. Bon, en fait. Fais-moi un tout droit, ça sera très bien. Ok, formidable. 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 Donc, nous par contre, on est parti pour s'embêter avec des pièces de type compliqué. Bureau du psychiatre, non, ça on n'a pas, non. Ça, sachez-vous, on fait pas ça. On sait pas qui c'est, non. Non. Désolé, on voit pas qui c'est. On aurait bien aimé vous aider, en fait, non, pas du tout. Mais, bah, du coup, on vous aidera pas. Des machins, des trucs, oh. Je suis en train de voir tout ce qu'il y a, j'ai déjà mal aux cheveux. J'ai mal aux cheveux. Mettons pour l'instant on part sur ça. Et le parloir. On part sur ça, c'est juste pour qu'il m'affiche les objets. C'est vraiment... C'est vraiment pour qu'il me foute la paix et qu'il m'affiche mes tables sans que j'aie à me prendre la tête. Voilà, affiche-moi mes tables, merci. Alors non pas les prisonniers de ce côté là justement. C'est tout le fait de style recherché. Hein. Ça suffit peut-être, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça suffit, c'est très bien. On verra si on doit ajuster par rapport aux tables. Aux tables de parloir, mais. Je sais que le parloir, c'est pas mal squatté, hein. Genre quand même la méga zone quoi. C'est vraiment... Oh là là, mais... Compas dans l'œil quoi. Hein, hein. Pas pour poser les murs d'enceinte mais... pas pour poser les fondations. Mais alors à l'intérieur... ça cartonne hein. Ah, à l'intérieur on est solide. On est solide. On est solide et on va séparer ça de quelques portes. Je pense on émaille ça de porte pour l'instant et on verra après. Du coup, je peux mettre un mur d'enceinte, enfin un mur entre les deux pièces pour pas que trop il se saute trop souvent à la gorge. Ouais, hop, on met ça ici. On se refait une succession de portes de bois. Même si pour le fun, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens. Allez. Pour le fun, on se les met dans l'autre sens. Voilà. Ça nous a coûté exactement la même chose. Voilà. Et on a du coup une pièce à agrandir. Parloir agrandi. Case. Et voilà. Joli. Très très joli. Alors le parloir, on aime bien. Le parloir, il y a un petit côté officiel. Qu'on affectionne un peu. Donc marbre. Marbre. Quoi? Ah la taille. Ah la pièce doit faire du 5 sur 5. Ah merde. Et merde, j'avais oublié ce détail. J'ai oublié ce détail. Ça c'est con. Ça c'est con. Cette pièce là elle est bonne hein. Pas de problème, pas d'embrouille, ok. Pas de problème, pas d'embrouille. Dans ces cas là c'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Il nous manque quoi? Deux cases dans cette pièce. Allez, on lui rajoute ces deux cases. Voilà. Du coup, le parloir il va être grand hein. Ça va être grand. Et on va en profiter du coup. On va faire on va faire annuler tout ça. Hop là, annule-moi ça. Vas-y à fond. On redémonte tout. Oh putain. C'est bien, je m'étais pas du tout embêté à tout calculer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Voilà, je suis calme. Je suis très calme. Ouais. On va démonter ça.
carte là. Alors par contre, si vous pouviez genre vous grouiller la miche. Voilà. Grouillez-vous en boule. Ça serait formidable. Donc, du grève toujours pour savoir où passent les visiteurs. Pas du d'ailleurs. Ça, y a pas besoin. Hein. Ah si, y avait besoin de ça. Et ouais, je m'en rappelle en fait. Parce que pareil, il faut que je puisse faire rentrer les enseignants. Et sinon, je mets l'école ici. Et ben ouais, je vais mettre l'école à côté en fait. C'est ça le génie. C'est ça le génie que vous avez pas vu venir. Et ouais, bah moi non plus d'ailleurs. Hein. Je cherche encore. Hein. On se met un béton de mur. Ici. Et ici, ce sera au moins, je pense, une école. Ah, je crois qu'il faut la chapelle aussi. Il faut que le mec vienne là-dedans aussi, je crois. Il y a un prêtre qui vient et c'est les seuls endroits où je vais avoir besoin d'un civil après. Après, on est bon. Après, on est bon normalement. Et l'idée, c'est globalement s'indécer en deux. On va faire l'école un peu plus petite que le truc de prêtrise, évidemment. Hein, puisque bah, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc on peut se caler les portes quoi. Merde, je vais y arriver avec mes portes. Hein. Excusez-moi. Je m'énerve un peu, mais. Parce que vraiment, les portes et moi, c'est quand même une histoire. Il y a quand même. Il se passe quand même des choses depuis longtemps. Voilà. Fais ça. Mais faites-moi ce mur là. Allez. Le mur, il y a un mur là. Ouais, super, merci. J'avais cru que j'avais oublié mon mur. Mon mur, j'appelle ça un mur. Par contre, je veux bien que vous démontiez cette porte là, s'il vous plaît. Excellent, merci. Pièce, la conditionnelle, s'il vous plaît. La conditionnelle. Est-ce que la taille qu'elle est bonne? Merci. Et les tables de parloir. Donc du coup on va pouvoir les dresser dans un autre sens des tables de parloir. Hein, ça c'est rigolo ça. Ouais, ça on aime bien, c'est rigolo. Du coup on peut en bourrer une tonne. Ah ouais non mais une tonne. Oh le bourrage maximal. Ah des caisses hein. Oh les mecs ils peuvent tous aller au parloir en même temps. Hein. On a calé nos 10 tables de parloir. Bah on est bien. Je peux que dire ça. Je ne peux que dire cela. Ouais c'est plutôt cool. Donc on va se replacer nos portes. Hein. Et on est bien. Et on est valide. Voilà. Ah, ou alors j'annule quelques portes. Pour toi. Et toi. Et je me colle les radiateurs là. Parce que, encore une fois, je les oublie. Hein, c'est con. Hein. On se faisait encore une petite session. Zéro radiateur. C'était parti. Tiens. Prends-toi un paillasson, ma gueule. Ça me fait plaisir. Tiens un petit paillasson là, petit paillasson ici, petit paillasson comme ça. Ça me fait plaisir. Et je veux des radiateurs, merci. Un radiateur ici, un radiateur là. Voilà, voilà. Ouais, un ici, un par là, un ici. Côté visiteur, bon on s'en fout. On s'en fout. Vous aviez qu'à rester chez vous, personne vous a obligé à être là. Et même avant de mettre fin à la vidéo, comme ça j'y aurais pensé, ceci est une chapelle. Et l'autre à côté est une école, la salle de classe, elle est là. Voilà. Et normalement, tous mes bâtiments qui font appel à des civils, si j'ai pas dit de conneries normalement, on est bon, ils sont tous là. Voilà, et donc l'intérêt c'est de reproduire ce bloc sur les autres blocs.
encore une fois, où seuls bien sûr les gardiens peuvent faire passer les gens d'un côté à l'autre. Du coup, effectivement, cette porte-là ne sert plus à rien. D'ailleurs, on va tout démonter ici, comme ça va aller plus vite. Je vais tout démonter. Je vais tout démonter. Même les loupiottes, virez-moi tout, je verrai ce que je ferai à cet endroit-là. Ouais, démonte cette porte, démonte celle-là aussi. J'ai fait démonter celle-là, c'est bon. Ok. Donc on est sur voilà, ça c'est ici que passeront, je pense, tous les visiteurs comme ça jusqu'au quartier suivant. On est pas mal. Ici, je vais peut-être resserrer l'étau des couloirs. Afin de faire peut-être une salle un peu plus grande, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à rentrer là-dedans. Buanderie, atelier, bibliothèque, magasin, il y a quoi encore à rentrer? J'ai bibliothèque, magasin, c'est sûr, déjà il m'en manque un sur la trilogie. Ouais, le courrier. Il y a le courrier aussi. Sont les pièces. Et je trouve plus rien. Voilà, les pièces. Ouais, il y a la salle commune à rentrer. Ouais, non, mais il y a trop de trucs. C'est la salle commune là qui est de trop. Ah, il n'y a plus rien qui rentre. Hein. Là, c'est. Moi, je veux bien mettre un atelier ici, là. Pas trop grand, là. Voilà. On part sur un petit atelier comme ça. En tout cas, la dimension est bonne. La buanderie de mémoire, faut quand même qu'elle soit assez grande. Parce que les mecs, ils ont tendance à venir y bosser très facilement. Et la machinerie prend pas mal de place. Et super, merci d'avoir annulé, ça fait plaisir. Pourquoi la buanderie il annule? Pourquoi l'atelier il a voulu le poser? Ça c'est rigolo ça. La salle des courriers, c'est un petit 4 sur 4 je crois de mémoire. Il n'y a que la bibliothèque qui va faire du 5 sur 5. Eh, ça devrait rentrer hein. Bon, je sais pas trop comment je vais caler la salle commune. Ou alors je cale un couloir salle commune au milieu. Ah ouais, j'avais déjà fait ça. On va peut-être se refaire un petit bidouillage comme ça. Avec un couloir au milieu qui est un couloir salle commune. Ça peut être rigolo, mais pour ça il faut que la salle commune, c'est ça, c'est juste un intérieur et on s'en fiche. Excellent. Ça c'est excellent. Ce qui veut dire que les couloirs du bloc, vous pouvez littéralement les transformer en salle commune. Mettez une chaise ou deux et ça se passe bien. Oui, c'est une escroquerie alors. Je vois pas où est le problème. Écoutez, un bel épisode de 53 minutes. Moi, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!